Bonjour, bienvenue sur Allo Finance, le numéro 1 mondial de la gestion de l'eau et des déchets. Veolia Environnement a dévoilé aujourd'hui ses résultats semestriels après avoir émis la semaine dernière un avertissement sur résultats. Le titre donc est mal orienté et ferme la marche sur le CAC avec un repli de 6,36% à 13,43€, un nouveau plus bas historique. Le groupe a en effet annoncé d'abord un plan de restructuration de ses activités, sa performance au premier semestre ayant été affectée par une fraude comptable au sein de sa division Marine Service aux États-Unis et par des difficultés en Europe du Sud et en Afrique du Nord. Le groupe a donc été contraint de revoir ses objectifs annuels à la baisse. Le groupe qui a confirmé aujourd'hui avoir enregistré 800 millions d'euros de dépréciation d'actifs a accusé une perte nette de 67,2 millions d'euros donc pour le S1, alors qu'il avait dégagé sur la même période l'année dernière un bénéfice net de 375 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant a chuté de 13,2% à 937,8 millions d'euros contre plus de 1 milliard l'année dernière. Idem pour l'excédent brut d'exploitation, lui-même en repli de 7,4% à 1,74 milliards d'euros contre 1,88 milliards d'euros au premier semestre 2010. Le chiffre d'affaires a également diminué de 5,2% donc sur le S1. Il s'inscrit tout de même à 16,29 milliards d'euros contre 17,18 milliards d'euros sur le S1 2010. Les analystes, pour leur part, tablaient sur un excédent brut d'exploitation un petit peu plus élevé, 1,82 milliard d'euros, mais le chiffre d'affaires, lui, dépasse les attentes puisqu'il tablait environ sur 16,1 milliards contre 16,29 finalement. Par ailleurs, dans le cadre de son plan de transformation, le groupe entend se désengager de certaines activités, notamment au Maroc, en Égypte et en Europe du Sud, ainsi qu'aux États-Unis dans le service marine. Il maintient donc son projet de cession de 1,3 milliard d'euros d'actifs cette année. Il prévoit par ailleurs des réductions de coûts supplémentaires au regard du plan d'efficacité actuel qui doit lui permettre d'économiser environ 250 millions d'euros chaque année. En guise de perspective, le groupe attend donc de ces économies de coûts un effet positif de 150 millions d'euros sur son bénéfice opérationnel à partir de 2013 et un impact positif à hauteur de 250 millions d'euros, voire même 300 millions par an à partir de 2015. Veolia confirme s'attendre désormais à un résultat opérationnel récurrent en léger retrait. Or, Veolia Transdev contre une croissance de 4 à 8% attendue précédemment. Selon les analystes, l'avertissement sur résultat lancé donc par Veolia la semaine dernière a remis en question la stratégie du groupe. Exan, par exemple, a averti qu'il serait trop optimiste de considérer ces questions simplement comme des événements exceptionnels et a ajouté que ces problèmes mettaient en lumière le risque important entourant certains contrats dans le secteur de l'environnement. Quant à HSBC, le broker a dégradé sa recommandation sur Veolia pour passer neutre contre surpondéré auparavant et réduit par ailleurs son objectif de cours de 21 à 17 euros. Je vous rappelle que le titre a atteint un plus bas historique à 13,40 €. Alors il faut savoir que le cours a chuté de plus de 15% depuis vendredi dernier, le jour où le groupe a donc annoncé cette fameuse dépréciation d'actifs d'environ 800 millions d'euros et également le fait qu'il ne pourrait pas atteindre ses objectifs annuels. Au final, au regard donc de cette publication, nous vous conseillons donc de rester à l'écart en raison donc du news flow assez négatif qui pèse sur le titre. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette publication. À très bientôt sur Allo Finance.